Bonjour à vous, amis airsofteurs, airsofteuses. C'est Raziel 68260. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le KWA M93R de chez Humarex. Alors cette réplique fait 1305 grammes. Elle a une longueur de 248 mm. Une hauteur totale lorsqu'on met le chargeur, puisque, vous allez voir, voilà. Donc pour sa hauteur totale avec le chargeur compris, qui est de 171 mm, et une largeur de 46 mm. Alors cette réplique est blowback, quasiment full métal, on a quelques petites parties en ABS. On a un chargeur gaz. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc la valve comporte 32 billes. Alors, voilà. On peut bloquer le ressort au fond. Et comme ça, on est tranquille pour insérer nos billes. Le chargeur est en métal. Cette partie ici aussi. C'est quand même avantageux, ça évite les casses. Là, ici, nous avons la valve pour extraire le surplus de gaz en fin de partie, hein. On a la possibilité d'enlever, de démonter le ressort. En fait, on a un petit cran qui est juste là. Voilà, on appuie dessus, ça fait sortir la plaque et on devrait avoir accès logiquement au ressort pour l'enlever. Alors, cette réplique est vraiment terrible. Alors on a cette petite poignée qui est donc pour tenir comme ceci la réplique. C'est franchement agréable à tenir. Son poids quand même, je trouve ça un petit peu lourd. Une fois que vous avez, ou alors il faut vraiment avoir un bolster et qu'il bouge pas, parce que sinon vous allez vous retrouver embêté. Donc comme je vous disais, blowback, hein. Voici ce que donne le M93R. Et qu'on tire avec, vous allez voir un petit peu le blowback. Donc, hop, j'ai pas de billes dedans, mais hop, on va faire au mieux. Et maintenant. C'est vraiment terrible. Hop, on va mettre le chargeur, ça bloquera la culasse. Je vais vous montrer en fait le hop-up qui se règle avec ceci qui est fourni donc dans la boîte. Voilà, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. On va essayer d'éclairer un petit peu, mais en fait, ici, vous avez des petits crans. C'est cranté. Alors, on va essayer de tourner ça de façon à ce qu'on puisse le voir. Et sur la réplique, quand on tire sur la culasse, c'est pareil. À ce niveau-là, ici. Il y a des petits crans qui nous permettent, donc on y insère la clé, et ce qui nous permet en fait de régler le hop-up. Alors, au dire de mon collègue qui la possède, hein, que je remercie d'ailleurs de m'avoir prêté cette réplique, merci Roux, c'est le réglage du hop-up n'a pas un très grand effet sur les billes, hein. C'est très léger. Maintenant, vous allez voir, j'ai fait un petit test pour que vous voyez un petit peu le blowback et la cadence de tir. Je pense pas que vous videz 32 billes, ben, on n'a rien de temps avec ce type de réplique. Vous pouvez sans problème, vous n'avez pas besoin, vraiment besoin de hop-up, hein, vous allez arroser sans problème. Alors, la sécurité. Ici, donc, nous avons la sécurité qui se trouve juste ici. Alors, on va juste faire ça. Qui est juste ici.
Donc là, on est en position feu, puisqu'on voit apparaître un petit point rouge. Là, par contre, on est toujours en position feu. Si on regarde, ça reste très léger. Pour pouvoir le mettre en sécurité, il faut qu'il soit armé, le chien en bas. Et là seulement, nous avons donc la sécurité. Voilà. Hop. Parce que si on fait comme ceci, vous voyez, là, voilà. Là, c'est en sécurité. Alors là, ici, juste à côté, nous avons le sélecteur de tir. Donc, par rafale de 3, mais si vous laissez appuyer, ça balance des rafales de 3, ça fait du full auto, quoi, hein, carrément. Et ici, nous avons le single shot. Franchement, c'est une réplique, quand on la tient en main, ben, on la sent bien. C'est vraiment agréable. Elle est terrible. J'apprécie vachement cette réplique. Dur à transporter, je pense, comme je disais, si on n'a pas le holster, comme on l'a pris. Vraiment quelque chose qui va tenir bien la réplique contre la cuisse ou contre le corps. Hein, ça dépend ce que vous utilisez comme type de holster. Pour ce qui est des organes de visée, alors là, si on utilise le single shot, on pourra regretter, c'est que bah, au niveau de la mire avant et de la mire à l'arrière, c'est que tout au moins la mire arrière ne soit pas possible, il n'y a pas de possibilité de régler en hausse ou en dérive. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, si vous utilisez les rafales de 3, vous faites même un full, l'utilité vraiment de viser. Vous allez vite secouer un peu la réplique, ça va pas être génial. Alors ici on a un attache Dragon qui se trouve juste là, qui est un petit peu différent des attaches Dragon habituelles. C'est vraiment large, alors il faut trouver vraiment l'attache Dragon pour cette réplique. Alors comme je disais, on a aussi oui, les marquages officiels. Donc de Beretta, ce qui est assez sympathique. Hein. La mécanique paraît super. Il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Mon collègue là, je ne sais pas si je l'ai dit, il a acheté chez Gun Evasion à 189 euros. C'est sûr que c'est un prix pour une telle réplique, ça vaut le coup. Ça reste quelque chose de correct au niveau du prix, puisque la réplique est vraiment terrible. Bon, après, tout ce qui est. Bon, j'ai la boîte juste ici. Ce qui est de la boîte, c'est quelque chose vraiment de basique. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la boîte. C'est la réplique. Ce qu'il y a donc à l'intérieur de la boîte. Pour ce qui est du gaz, ben, vous pouvez utiliser ce type de gaz qui va très bien, qui est siliconé. Je vous conseille de ne pas utiliser que ce gaz-là, un gaz sec, un petit peu de temps en temps, pour pas non plus surcharger votre chargeur avec un gaz siliconé. Alors j'espère que cette review vous aura plu. Elle a été faite spécialement pour un de mes abonnés qui cherchait une review sur cette réplique. Alors Thomas, ben voilà. Voici le M93. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Et ben à bientôt. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.